Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans Tone Factory avec un épisode, vous l'aurez compris, un petit peu spécial puisque cet ampli derrière moi, ce monstre, vous ne le verrez pas tous les jours parce que c'est très très rare. On a la chance de s'être fait prêter ce magnifique matériel pour cet épisode. Alors, on est en présence d'un JTM 45 Marshall de 1969. Rien que ça, et de son baffle 8 x 10 pouces. C'est un baffle très très rare chez Marshall, donc avec 8 haut-parleurs de 10 pouces, un baffle très haut comme ça, magnifique. Donc de 1969 aussi. Alors pour les puristes de Marshall qui regarderaient cette vidéo, je vous vois tout de suite venir, cette grille noire n'est pas d'origine sur ce baffle, elle a été changée dans les années 70-80. Voilà, normalement la toile est grise bien sûr, fin 60, mais voilà, tous les haut-parleurs sont d'origine, cet ampli est entièrement d'origine. C'est un monstre de puissance déjà, et c'est quelque chose de très 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 impressionnant à jouer, qui casse complètement les codes de l'amplification tels que j'ai pu les connaître personnellement jusque-là. Ça casse complètement les codes de l'amplification telle que je la connaissais jusque-là, parce que j'ai rarement eu l'occasion de jouer ces amplis, j'en ai joué quelques-uns, mais avec ce baffle 8 x 10 pouces, malheureusement, jamais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné dès le départ, en termes de dynamique, en termes de puissance, globalement, ça n'a rien à voir avec un 412, même si ces amplis, de toute façon, sont très forts, hein, ces amplis qui sonnent très très fort. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, mais j'ai mis des bouchons pour la première fois dans Tone Factory. C'est vraiment que c'est très très fort. Voilà, c'est pas du tout un ampli à jouer dans des petites pièces comme aujourd'hui. Il a besoin d'espace pour s'exprimer vraiment. Mais voilà, c'est un ampli qui laisse vraiment la part belle à l'expression du guitariste. Thank you.
ni facile à jouer du tout. C'est un ampli qui pardonne rien, ou presque, mais qui justement fait que le guitariste va bosser son expression à fond, va bosser son jeu, son feeling à fond sur la guitare. Ça, c'est vraiment mortel, finalement, c'est ce qu'on attend du matériel, au final. On s'est habitué avec le temps à jouer du matériel de plus en plus facile, ce qui est très cool, hein. On peut jouer à la maison à bas volume, etc. Mais quand on joue ça, ça prend vraiment, encore une fois, une toute autre dimension. Et on réfléchit à son jeu de guitare, vraiment. On réfléchit à chaque note qu'on va poser sur le manche, à chaque coup de médiator qu'on va mettre. C'est un grand moment de jouer du matériel comme ça, parce que ça fait réfléchir, ça remet presque tout en question, en fait, en termes de son et en termes de jeu. Ça fait indéniablement aussi penser au son de tous ces artistes qui nous ont fait rêver. C'est le son de la légende, c'est le son des disques, en fait, finalement. Je pense à Clapton, indéniablement, avec Cream, etc. Même si c'est les modèles 100 watts qui jouaient, ok, c'est vraiment, on a tout de suite ce grain, on a le vrai grain. Et franchement, je pense à toutes ces pédales que j'ai déjà essayées, les Marshall in a Box, etc. C'est dur, hein. Là, le son, il est là, vraiment. Voilà, donc c'est une grande, grande chance de jouer cet ampli aujourd'hui. J'ai voulu faire plein de clins d'œil, d'ailleurs, à ces artistes. Ça m'a fait penser aux Allman Brothers aussi, avec la Les Paul. Ça m'a fait penser à plein de choses, mais franchement, j'ai pas réussi à en choisir vraiment, parce que quasiment tout le monde, à un moment donné, a joué sur ce matériel. Et c'est le son qu'on a dans les oreilles, encore une fois, le son des disques. Les amis, j'étais super content de partager ce grand moment avec vous. C'est un ampli qui, franchement, je vais me rappeler toute ma vie. C'est un ampli qui a vraiment une histoire, encore une fois, un son, et qui fait qu'on se sent tout petit à côté de cette grosse machine, même si c'est pas un si gros stack que ça, si on regarde bien. Je pensais que c'était beaucoup plus gros, et quand je l'ai eu en face de moi, je me suis dit, ah non, finalement, ça va. Mais bon, faut quand même des potes, hein, pour porter ça. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, j'ai pas braqué une banque pour avoir cet ampli aujourd'hui dans mon studio. C'est Christophe
de Asylum Pickups qui nous a gentiment prêté cette belle machine que je remercie du fond du cœur, voilà, parce que j'ai passé une semaine magnifique avec cette ampli, elle jouait un petit peu tous les jours. Je suis encore très très impressionné, j'en ai encore les frissons, voilà, rien que de vous en parler. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet épisode et puis on se retrouve dans le prochain de Tone Factory. Ciao les amis. Thank you.